Salut l'internet, bienvenue dans cette vidéo Halloween. Aujourd'hui l'internet, je vais vous faire un tuto pour entrer en communication avec les esprits grâce à un outil. Un Ouija. Qu'est-ce que c'est un Ouija? Un Ouija, c'est une petite plaque avec des lettres comme ça, des chiffres. Un soleil, une lune, oui, non, et au revoir. Tout ça pour entrer en communication avec les morts. Nous allons essayer de capter un esprit comme ça d'un mort. J'ai regardé, on a la 4G, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et une fois qu'on aura capté cet esprit, il nous possédera comme ça. Il entrera en communication en prenant nos mains comme ça et en nous disant des lettres et des mots pour voilà, communiquer. Enfin, c'est incroyable, quoi. Du coup, moi, ça voudrait que on arrive à parler à Pépé parce qu'il est mouru il y a quelques années, tu vois. Et... Bah, je me dis, va prendre des nouvelles, quoi, tu vois. Donc, ce qu'il faut savoir quand on utilise un Ouija, très important, c'est que les esprits, il faut leur parler simplement, être clair, concis, hein. Mais la règle la plus importante, c'est qu'il faut faire ça dans le noir complet. Enfin, dans le noir complet. Éteindre l'électricité, ne garder que des flammes comme ça, hein, pour nous éclairer, hein, parce que... Bon, parce que sinon, ça fait pas peur, hein. Si tu fais comme ça, ça en pleine journée, ouais, papy, t'es... Enfin, tu vois, ça fait pas peur, un esprit qui te contrôle la journée. Alors que dans le noir... Enfin, je suis pas raciste, hein. Je dis pas que les noirs font peur. Enfin, si, enfin, non, enfin... Allez, on se concentre. On va essayer de capter comme ça, pépé, hein. On se concentre. Voilà, comme ça, s'il fait chaud, Pépé viendra plus facilement. Pépé, est-ce que tu m'entends? Pépé? Eh oh, est-ce que tu m'entends? Eh oh, est-ce que tu me sens? Eh oh, doucement, je suis là. Eh oh, 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 est-ce que tu m'entends? Pardon. Vous entendez? Il m'appelle, c'est... Mais putain, maman! Mais casse-toi! Mais je suis en train de parler à Pépé, putain, casse-couille! Que c'est pas possible! Mon papa fermait sa gueule, hein! Tu casses les couilles, hein, maman! Tu casses les couilles! Qu'il y en a qui perdent le mort, là, s'il vous plaît! Non, mais c'est pas possible, hein! C'est toujours en train de faire chier, celle-là! On se reconcentre. Pépé. Pépé, c'est toi? C'est toi qui viens de faire abri, Pépé, c'est toi? Pépé, c'est Pépé, j'en suis sûr. Pépé, c'est toi? Mes mains, elles bougent toutes seules. C'est... Oui, oh, c'est lui, c'est Pépé. Oh, c'est Pépé qui nous parle. Pépé, tu sais, tu m'entends bien, Pépé? Oui, deux fois oui. Hey, tu veux qu'on joue à ni oui ni non ou quoi, Pépé? Non. Bah, t'as perdu. Et il s'est fait avoir. M D R M D R. Oh, Pépé, il aime bien les blagues, tu vois, il rigole facilement. Hein. C'est public facile, Pépé. Ah, je suis content, Pépé, je suis content de te parler comme ça. Ça va, hein? Dis-moi, ça va. Non. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas, mon Pépé? Je suis... Mort. Ah oui, c'est vrai que quand on est mort, c'est pas le tip-top de la forme, quoi, tu vois. Mais je voulais pas t'offenser, hein. Pépé, un truc que moi, toujours, je me suis toujours posé la question, que dans le monde des esprits, du coup, vous pouvez nous voir et tout. Genre, vous nous surveillez, vous veillez sur nous et tout, tu vois. Genre... Oui, ça veut dire que vous nous voyez tout le temps. Oui, hein. Mais genre, ça veut dire que quand je suis sous la couette et que je me touche le kiki et tout, tu me vois? Oui. Ah, c'est gênant un petit peu. Parce que... Oui. Bon, c'est... Oui. Tu veux boire quelque chose, Pépé? Un petit... Petite bière, un petit whisky, un petit coco, enfin... Je sais que t'es un esprit, donc tu peux pas techniquement boire. Enfin, je dis ça, c'est par la politesse. Parce que, enfin,
C'est ça, parce que quand nous on allait chez toi, Pépé, ben le dimanche tu nous proposais à boire, quoi, tu vois. Donc je veux savoir si tu voulais. Enfin voilà, c'était juste le par politesse. Je dis pas que tu peux pas boire et que c'est nul, hein. Je suis pas en train de juger les esprits du tout. Alors là, je suis pas. Qu'on commence pas à dire que ouais, Jojo c'est un raciste des esprits, pas du tout. Je suis pas en train de dire ouais, les esprits c'est tous les mêmes. Je suis pas en train de catégoriser. Enfin, je veux dire, t'es un esprit, je veux dire, tu peux être ce que tu veux. Hein. Moi, je suis pas dans le jugement. Je veux dire, enfin voilà, je commençais pas à mettre de commentaires sur les esprits et tout. Je veux dire, moi, franchement, les esprits, je voulais choquer personne. Hein. Vraiment, si je t'ai choqué ou j'ai choqué un de tes collègues esprits, vraiment, c'est pas mon intention. Hein. Vraiment, excuse-moi, Pépé, que je veux dire que moi, ce que par là, ce que je veux dire, c'est que c'est une association des esprits. Ça sert à rien de m'attaquer ou quoi. Parce que, enfin voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gothiques ou d'émos, tu vois, qui aiment bien les esprits. Enfin, je dis pas que tous les gothiques et les émos aiment les esprits. Quand je dis les émos, je parle pas de tes hermoïdes, hein, Pépé. Moi, je parle des émos, genre, tu vois, Tokyo Hotel et tout. Enfin, vraiment, moi, j'ai pas envie. Enfin, tu vois, tu vas, oh, putain, qu'est-ce qui. Aouh! Mais comment t'as fait ça, Pépé? T-G. Ah, ta gueule! Ah, ouais. Mais c'est parce qu'en même temps, avec tout ce qui se passe au moment, dès que t'ouvres ta gueule, tu te fais niquer. Alors moi, j'ai pas envie que Marlène Schiappa, elle vienne me niquer, toi, la ministre de Twitter. Donc, enfin voilà, excuse-moi, j'ai pas niqué. Voilà, voilà. Et sinon, il fait beau dans le monde des esprits. Soleil, ah. Ah, donc c'est bien s'il fait grand soleil, tu vois, parce que nous, il a fait dégueulasse. Hein. Qu'est-ce qui. Tu. Niaf. Oh putain, oula. Où tu vas. Tu vas trop vite, Pépé. Pépé. Lâche mes mains, Pépé, tu vas trop vite, Pépé. Pépé, tu vas trop vite. C'est. Oh putain, c'est. Ah, vous avez oublié que les personnes âgées, dès que tu leur parles de la météo, ça leur fait. Bah, ça leur fait un sujet de discussion, donc tu vois, ils peuvent tenir des heures avec ça. Putain, c'est. Pépé, stop, c'est pas grave. Il fait beau, c'est tout ce qui. Oh putain, il s'arrête pas. Ça sert à rien, Pépé, je ne sais plus. Oh, qu'est-ce qu'il est chiant, putain. Pépé, t'es parti? Oh Pépé, faut pas partir comme ça, hein, parce que si j'ai pas dit au revoir, si on dit pas au revoir, ça porte malheur, que les démons ils peuvent m'attaquer. Oh non. En plus c'est un truc controversé, Louis-Jean, les religions ils aiment pas, donc déjà je me suis mis à dos Jésus, et en plus les démons ils m'attaquent, ils vont me dire c'était bien fait. Non Pépé, t'es là Pépé. Oh putain, t'es là Pépé, oui, oh super, j'ai cru que t'étais parti comme ça Pépé. Tu pouvais pas partir comme ça, hein, Pépé. Bah non, hein. Parce que moi, quand je venais te voir, hein, mémé, quand on repartait, elle donnait toujours un petit billet de 50 euros. Donc t'allais pas partir comme ça sur mon petit billet de 50 euros. Oh, il est fou, lui, Pépé. Attention, Pépé, t'as failli cramer le billet comme ça. Bah c'est chouette. Bon, merci, hein, merci. Merci, Pépé. Et ça, et heureusement qu'ils sont là, les vieux, hein, parce que sinon, je sais pas comment on ferait. Hein. Voilà, bah merci, Pépé. Bah c'est bon, tu peux y aller. Et fais une bise à mémé, hein, s'il te plaît. Et aussi à Jacques Chirac, comme ça, parce que je sais que, voilà, soyez pas trop dur avec lui, hein, faites pas un bizutage trois de corps, parce que je sais que mon pépé, niveau bizutage, ah bah, et je sais qu'il peut l'emmerder, le petit Jackie, soit payé pas trop mesquin avec lui, hein. Au revoir, pépé. Au revoir, quand je m'énerve. Au revoir. Il a montré au revoir. Pépé. Bon, bah, ça c'est fait, hein, comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Ah? Pépé? Abonne-toi, parce que c'est la fin de la vidéo. Mais non, je rigole, ça c'est moi qui l'ai dit. Et je vous ai bien nu. N'hésite pas à aller voir les dernières vidéos, puis on se retrouve bientôt sur Internet ou bien au Pestacle, hein. Tous les liens sont dans la description pour savoir où c'est que je joue. Allez, salut Internet. Pépé, c'est toi, Pépé? Allô, Pépé? Pépé.